vive le Val-de-Loire et vive le Muscadet. Quand je suis dans la Loire, je préfère le melon. Le chardonnay, on en trouve partout. Ah, le sec. Le sec, beaucoup plus d'occasions d'utiliser du sec que du moelleux. Bien que le moelleux, comme vin de méditation, oui, très bien, bonnes eaux, Coteau du Layon, la Loire en recèle des bons. Pour les coquillages, l'océan, mais pour les vins, la Loire, bien sûr. La diversité des singularités. Si on préserve la singularité de vins exceptionnels, comme vous en avez dans la Loire, des cépages qui ne sont présents qu'ici, on aura le plaisir d'en déguster la diversité. Sinon, demain, on aura 5 cépages dans le monde et on aura perdu un patrimoine énorme. Un Saint-Nicolas de Bourgueil de Joël Talour, parce que j'adore le Cabernet Franc. Et alors, dans les blancs, hier, une dégustation des crus communaux du Muscadet. Et là, je vous en donnerai peut-être 10, mais un qui me revient à l'esprit, c'est le Château du Clairet.